Salut à tous, bienvenue pour notre talk d'après-match sur Peuple Olympien. On va débriefer notre magnifique victoire, notre exceptionnelle victoire, notre exploit qu'on a fait à Lorient cet après-midi. Bon, j'exagère un peu, je pense. On est avec Ramos, Polzer, Dodi à la réalisation qui s'exprimera un peu. Il n'a pas pu voir le match, malheureusement. Ça va être un peu notre regard extérieur pour de notre débrief. Et Alan, bon, je suis ravi d'être avec vous. On va débriefer ce match. Déjà, allez, premières impressions, Ramos. Toi qui aimes bien analyser le jeu, je pense que tu n'as pas dû trop t'amuser cet après-midi. Bah forcément, j'ai envie de te dire... bonjour à tous, pardon. J'ai envie de te dire qu'il fallait s'y attendre. Je suis toujours en train de plébisciter les matchs à l'extérieur face à des promus. Je dis toujours que c'est des matchs assez compliqués et ça a été une preuve que c'était un match super compliqué, que Lorient est une bonne équipe de ce début de championnat et nous l'a encore prouvé ce soir. On a eu du mal. Et la victoire est méritée, entre guillemets, même si moi je ne m'y attendais pas trop personnellement avec ce qu'on a proposé ce soir. Voilà. Moi, bonsoir à tous. Personnellement, moi je pense que ça reste quand même un hold-up. Parce que clairement, vu la physionomie du match, je pense qu'on ne méritait pas du tout la victoire. Surtout en première mi-temps et en fin de seconde mi-temps, ça s'est très très mal passé. Et donc pour moi, je pense qu'on ne méritait pas du tout la victoire. On a eu un but chanceux sur coup de pied arrêté par Balerdi grâce à une passe de Thauvin. Mais c'est le seul point positif du match pour moi. Ouais, et toi, Polzer, t'as aussi regardé le match. Tout à l'heure, tu me disais en antenne que tu étais quand même un peu déçu. Bah, tu penses un peu comme tout le monde, hein, comme Ramos, comme Alan, et peut-être même comme moi, je pense. Ouais, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce match-là, c'était un petit peu une purge. Hein, on s'est tous fait chier. Et comme souvent depuis le début de saison, voilà, un match sans rythme, sans envie, on s'est clairement ennuyé et ça commence à faire beaucoup là, cette saison. Ouais, et dans le jeu, on va en parler après du jeu, mais avant le match, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit, bon, le principal c'est le jeu, où il faut prendre les 3 points, on joue contre une équipe bien plus faible que nous, priorité aux 3 points, le jeu on verra après. Ramos. J'ai envie de te dire que l'important pour ce match aussi, c'était de prendre les 3 points. Le fond de jeu, c'était pas forcément l'important. L'important, c'était de confirmer notre bon état de forme en Ligue 1 avec cette victoire face à Bordeaux et surtout de reprendre de la confiance face à un match, enfin, après un match face à l'Olympiakos où on s'est pas trop mérité la défaite. Après, on reprend pas trop de confiance avec un match comme ça, mais l'important, c'est les 3 points comme ils disent sur RMC, voilà. Enfin, moi, je reste sur cette analyse-là et voilà. L'important, ouais, c'est les 3 points. Surtout qu'on a quand même déjà joué, je vais repartir sur un truc, on a quand même déjà joué des gros de ce championnat. On a quand même déjà joué Lille, Paris, Lyon, Saint-Etienne, enfin, j'en oublie peut-être encore un autre. Et on est quand même là, on est quand même présent. Et notre classement est intéressant malgré la même forme actuelle qu'on a. Moi, je trouve que quand même le fond de jeu était plus important à avoir ce soir, surtout contre une équipe de Lorient promue, on va dire. Donc, je pense qu'on devait mettre le pied sur le ballon et imposer notre jeu et montrer les leçons qu'on avait retenues du match face à l'Olympiakos, qui était franchement pas très grandiose. Et là, vis-à-vis de ce match, je suis clairement pas rassuré, sachant que mardi, on affronte Manchester City, quoi. Ça va pas être la même chose que, justement... Le match contre l'Olympiakos. C'est pour ça que ça me fait très peur, ce match. Ramos, tu avais quelque chose à rajouter avant de passer au jeu? Bah, j'ai envie de te dire, Alan, en même temps, Lorient, ils ont joué avec une composition assez resserrée dans l'axe et ils étaient à domicile avec du public, il faut le souligner. Ce qui les a encouragés encore plus, ils jouent un gros du championnat, enfin une grosse équipe plutôt, on va dire comme ça. Donc, ça les a motivés encore plus. Ils ont été hauts toute la première. Enfin, les 30 premières minutes, ils ont été hauts dans notre partie de terrain. Donc, c'était sûr que ça allait être compliqué ce match et qu'on n'allait pas toucher le ballon. Enfin, qu'on n'allait pas forcément jouer comme contre Bordeaux où c'est une équipe flasque Bordeaux.
Si personne n'a envie de prendre la parole, on va passer au jeu. Alors, le jeu, bon, ça va pas, évidemment, c'était pas extraordinaire, c'était loin d'être extraordinaire aujourd'hui, un peu comme tous nos matchs cette saison. Est-ce que, Alan, toi, ça t'inquiète avant de jouer Manchester City ou tu te dis, bon, comme Manchester City, de toute façon, on va jouer bloc bas et le jeu, ça sera pas si important que ça? Ben, clairement, parce que pour jouer un bloc bas, faut avoir les joueurs et les capacités pour. Et franchement, vu le match qu'on a fait contre l'Olympiakos, on n'aura pas les capacités pour tenir tout le long du match face à Manchester City. Ça me fait très très peur, sachant les capacités techniques et de vitesse, d'impact physique que peuvent avoir Manchester City avec Raheem Sterling, avec comment il s'appelle l'ailier droit de Manchester City et donc franchement voilà ils ont une capacité d'attaque de vitesse et d'impact physique Manchester City que on pourra pas tenir tout le match en bloc bas comme ça sachant vu le match qu'on a fait face à l'Olympiakos. Bon, avant de parler de Manchester City, bon, c'est vrai qu'on peut comprendre l'inquiétude, mais pour cet après-midi, du coup, contre Lorient Polzer, Paul, toi, t'as pensé quoi du jeu? Parce que c'est vrai qu'en fin de match, on a eu des espaces quand même, mais on a quand même des difficultés à se créer des occasions, hein, même si on a eu 70% de possession, mais dans les occasions, c'était pas extraordinaire, on n'a pas eu tant de ça d'occasions franches. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Ouais, bah forcément, je pense que des difficultés, c'est un faible mot, vu le contenu du match. Moi, je commence vraiment à être très inquiet parce que depuis le début de saison, je pense qu'on n'a pas vu un seul match où on a dominé les débats. Même si on bat Paris, voilà, on a fait de bons résultats, mais au niveau du contenu des matchs, c'est vraiment pas ça. Et je sais pas si vous étiez sur le live de mercredi après le match contre Olympiakos, mais je disais que le jeu de Villas-Boas ressemblait de plus en plus à celui de Liverpool il y a quelques années. Et ben là, encore une fois, ça se confirme, hein, encore une victoire 1-0 contre une équipe plus faible, alors qu'on aurait dû largement dominer le match. Et Ramos, j'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus, parce qu'on a l'impression que depuis que Villas-Boas est arrivé, on n'a pratiquement gagné aucun match, c'est-à-dire aucun match où on s'est dit à la 80e minute, ah c'est bon, on est rassuré, on est sûr de gagner. Non, même contre des petites équipes, on stresse jusqu'à la dernière minute. T'es d'accord avec moi, Ramos, ou pas? J'ai envie de te dire, le principal, c'est de mener au score, c'est de mener au score jusqu'à la 90e minute et jusqu'à ce que l'arbitre il siffle la fin du match. Après, c'est vrai qu'on pourrait se mettre plus en avance au score et scorer une deuxième fois, une troisième fois ou autre. Mais après, on a un manque d'efficacité devant qui est criant. On n'arrive pas à trouver des automatismes. On change de système tous les deux matchs. On change pas des joueurs qui doivent sortir du 11 de départ. Comment dire, Sanson, par exemple. Ça fait 2-3 matchs qui devraient être sortis du 11 type. Pourquoi est-ce qu'il est seulement sorti du 11 type un match contre Lorient? Un match qu'on n'en attend pas, on en attend pas des vagues. On n'en attend pas des vagues de ce match-là. Pourquoi est-ce qu'on tente pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'on tente pas un Marley Ake en pointe pour faire souffler un Thauvin? Pourquoi est-ce qu'on tente pas un Nagatomo qui a joué deux matchs d'affilée et après on l'a plus jamais vu jouer? AVB, je sais pas, il est, je sais pas, je le sens pas là. Je le sens pas au coup. Je le sens pas dans les coups. Alors on a aussi Dodi qui est avec nous cet après-midi, enfin qui est avec nous ce soir et qui n'a pas pu suivre ce match en fin d'après-midi. Toi, Dodi, j'imagine que t'étais dès la fin du match, t'as dû parler à tous tes collègues, tous tes amis supporters de l'OM. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et toi qui n'as pas regardé ce match, est-ce que finalement t'as pas été surpris par ce qu'ils t'ont dit du match? Tu t'es dit bon, ça change pas d'habitude. Non, bonsoir tout d'abord, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et ouais, moi qui n'ai pas vu le match, franchement, j'ai eu les mêmes retours, hein, que l'équipe n'a pas, enfin, c'était pas du football, tout simplement, que c'était pas du football, c'était dur dans le jeu. Après, ça m'étonne pas parce que depuis le début de la saison, c'est toujours comme ça. Et puis, franchement, j'ai envie de dire, la victoire, c'est le plus important à la fin. Parce qu'on a perdu un match contre l'Olympiakos où on était, pff, de toute façon,
On aurait gagné, on aurait perdu, on aurait fait match nul. Ça aurait été la même. Dans le jeu, on n'aurait pas été bon. Donc, il fallait plus se rassurer aujourd'hui. Ça a été fait avec la victoire. Donc, on va retenir ça. On va dire que c'est le plus important. Oui, ben voilà, rien de surprenant dans ta réponse. On va passer au top et au flop. On va commencer par les tops. Moi, personnellement, pour les tops, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes individualités aujourd'hui. Après, j'ai bien aimé Pape Gueye dans l'intensité. Rongier n'a pas démérité également. Thauvin, bon, il a fait la passe décisive, mais après, c'est plus en attitude qui me dérange. Et Balerdi, ben, qui a bien défendu et qui a marqué. Tiens, Paul, toi, quels sont tes trois flops, tes trois tops de cet après-midi? Alors, tout d'abord, c'est Rongier, mon premier top. Aujourd'hui, il m'a plutôt bien surpris parce que ces derniers matchs, je le sentais pas forcément dans le coup. Il n'était pas vraiment en forme. Et là, aujourd'hui, il a récupéré un bon nombre de ballons. Il a été très utile dans notre jeu. Et je pense que la victoire est en partie grâce à lui. Après, le second top, c'est Amadi qui, encore une fois, a fait un excellent match. Je trouve que depuis le début de saison, il est vraiment super au niveau. Et ça, c'est vraiment une excellente chose parce que avoir un latéral gauche qui fait du bon boulot, c'est vraiment primordial. Et enfin, en dernier top, je sais pas vraiment, je dirais Cuisance, mais sans plus. Personnellement, pour les tops du match, moi je vais tout d'abord un premier à ma vie, parce que je trouve que c'est celui qu'on a le plus vu cet après-midi, qui était le plus présent, notamment défensivement, où j'ai trouvé remarquable. Il n'a pas fait tout le bien, bien sûr, mais tout ce qu'il a fait, il a su imposer sa patte et montrer son impact physique. Et en attaque, il a su à chaque fois déborder, créer le surnombre, faire des centres assez intéressants qui auraient pu se transformer plusieurs fois en occasion de but. Par la suite, on a eu, moi je trouve, un top que personne ne parle, Gueye, qui a fait un très bon match par la suite, à la suite de son match contre l'Olympiakos, qui a fait à peu près le même match dans l'intensité et dans l'impact, qui était très utile dans l'utilisation du ballon et justement dans la récupération de balles. Et après, en troisième top, ce qui est un peu compliqué, moi je n'aurais pas dit ni Cuisance ni Rongier. Mais pourquoi pas Balerdi, parce que justement, il a été juste techniquement dans ce qu'il a fait dans le match. Il a su récupérer les bons ballons, il a su faire de bonnes transitions vers l'avant. Et en plus, il nous a franchement offert le but de la victoire, quoi. Ramos, j'ai hâte d'avoir ton avis sur les tops du match de cet après-midi. Alors, je vais déjà reprendre entre guillemets, je vais déjà rebondir sur ce que tu dis, sur ce que tu as dit, Paul. T'as dit Rongier, excellent match aujourd'hui. Je te suis là-dessus un peu. Oui, je sais pas si vous entendez Paul, Ramos. Je n'entends plus, moi. Ramos, est-ce que tu nous entends? Bon, il nous entend sûrement, mais nous, on l'entend plus. En attendant, on va passer au flop, du coup, et Ramos reviendra. Et Ramos reviendra pour nous donner ses tops. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est direct. Les flops, moi, j'ai pas été fan de Cuisance. Je trouve qu'il a beaucoup ralenti le jeu. Bon, on va encore citer Benedetto, qui a pas été, enfin, qui a été transparent aussi, qui a raté une occasion. Voilà, ça c'est mon avis. Cuisance, Benedetto, au niveau des flops. T'en penses quoi, Paul? Alors, moi, je te rejoins sur le cas de Benedetto parce que, encore une fois, voilà, transparent, on le sait tous, ce début de saison, il est vraiment pas bon du tout, hein, pour Pipa. Et encore une fois, on le trouve pas, personne lui fait la passe, donc forcément, c'est compliqué de marquer et la confiance diminue de plus en plus pour lui. Après, en second flop, je dirais Sakai parce qu'encore une fois, il est pas au niveau ce soir et dans les duels, il s'est mangé. Je trouve que c'est inquiétant pour la suite. Et le troisième flop, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je vais dire Thauvin, parce que certes, il fait une passe décisive, mais je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. Il tente sa chance parfois alors qu'il aurait dû faire la passe. Et je trouve que Thauvin doit être largement meilleur ce soir. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Paul, sur le fait. Moi, j'ai mis à peu près les mêmes flops que toi, Thauvin et Sakai, parce que franchement, Thauvin, il doit apporter beaucoup plus.
il doit être beaucoup plus altruiste. Or, on sent que avec l'absence de Payet, tout ça, il veut endosser un rôle de sauveur de l'équipe. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, il va faire le mauvais choix. Il va essayer de jouer tout seul, en gros, pour essayer de sauver justement la rencontre. Et Sakai, qui devient vraiment de plus en plus inquiétant à chaque match. À chaque fois, on dit oui, mais il fait bien ses interventions, il fait son boulot défensif. Ouais, mais les gars, arrêtez au bout d'un moment, quoi. Il se fait déborder par des ailiers de Lorient. À ma vie, l'ailier de Lorient, il n'est pas passé une fois. Il nous a fait des sauvetages dans la surface à la Mandanda, alors que c'est pas un gardien. Et Sakai, il est arrivé tout le long du match, je l'ai vu par terre, ou alors on retasse le défenseur. Et à un moment donné, il y a un centre de la surface, je sais pas si vous vous rappelez en première mi-temps, où clairement, il y a un centre au second poteau, et Sakai est 3 mètres derrière son ailier. Et si l'ailier ne glisse pas, c'est clairement but. Et je trouve ça inadmissible que de match en match comme ça, il continue de telle manière sur le terrain, quoi. Alors, il y a une chose. Est-ce que tu penses que tu parlais de Sakai, est-ce que tu penses que le principal responsable des mauvaises performances d'Hiroki Sakai, c'est les dirigeants de Bruges qui ont refusé de nous vendre Maël au dernier moment et qu'au final, ben, Sakai se retrouve seul au poste de latéral droit, qui est condamné à jouer pratiquement tous les matchs et les seuls matchs qu'il jouera pas, ben, du coup, ce sera Nagatomo. Donc, vaut mieux que ce soit Sakai. Ben, finalement, ben, il est puni par le fait qu'il n'ait pas de doublure. T'en penses quoi, Alan? Ah oui, c'est sûr que le transfert avorté du cher arrière-droit de Genk et non pas de Bruges, pour te reprendre, et je trouve que il subit un peu tout ça et c'est dommage. C'est dommage, clairement, parce qu'on a des joueurs, on a prêté Abdallah récemment, mais parce que je pense que justement, ça tendait à recevoir l'ailier droit de Genk, mais on voit que clairement, la vente de Bounassar n'a pas été. N'a pas été clairement une bonne affaire. Même si on a récupéré quelques euros, que ça a pu justement, avancer la carrière de Bounassar, mais nous, c'est au contraire, ça nous a pénalisés. Et je pense que tout le reste de la saison, on va en souffrir de tout ça. Vas-y, Doji, dis-moi ce que t'en penses, toi. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi, hein, parce que faut se mettre aussi à la place de Sakai, dans le sens où, en tant que défenseur, tu dis que tu fasses un bon ou un mauvais match, il n'y a personne à ta place. Donc, dans tous les cas, à la semaine, enfin, l'état d'esprit du joueur, il doit être quand même assez compliqué. C'est-à-dire que, voilà, on a voulu prendre quelqu'un à ma place, cette personne-là, elle n'est pas venue. Donc, ça veut dire un petit peu que les dirigeants, ils sont en train de me montrer que je fais pas le job, mais dans tous les cas, il n'y a pas meilleur que moi. Donc, que je fasse un bon match ou un mauvais match, bah, dans tous les cas, je vais être dans le 11, je vais faire ce que je peux. Il est là avec ses limites, avec ses qualités, on le sait, il est bien gentil, ça caille. Mais bon, pendant le mercato d'hiver, faut encore souffrir, attendre un petit peu, on prendra un arrière-droit tranquillement et puis il ira s'asseoir sur le banc avec AVB et tout le reste. Ouais, moi justement, je voulais rebondir sur ça parce que Alors, Paul, on la t'entend plus. situation actuelle au niveau des latéraux, en particulier à droite, hein, parce que à gauche, Amadi, il est taf. Allô? Vas-y, 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 on t'entend. t'as une petite Allô? coupure. T'as une petite coupure, mais vas-y, continue. Ouais, je disais que la situation actuelle était assez préoccupante au niveau des latéraux. Alors, pas à gauche, certes, parce qu'Amadi, il fait le taf. Mais à droite, alors on a vendu Nkunku à Everton, on a vendu Abdallah, ou prêté, je sais plus. Rokia, il joue plus, enfin, il joue même pas du tout, il a jamais joué avec l'équipe pro en match officiel. Et alors on se retrouve avec Nagatomo, qui n'est pas vraiment un arrière-droit, mais plus un arrière-gauche, et Sakai, parce qu'on a vendu Sarr. Donc voilà, Sakai, il a zéro concurrence, Maël n'est pas venu, ça commence à faire beaucoup là, je trouve. Donc il va vite falloir trouver un arrière-droit cet hiver, parce que sinon. Imaginez que Sakai se blesse, on se retrouve avec. On n'a plus personne sur le côté droit. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très inquiétant. Et en effet, Ali Abdallah Mohamed qui était prêté avec option d'achat en Belgique. C'est bon, on me dit dans le raid que Ramos est de retour. Donc Ramos, toi tu vas avoir beaucoup de choses à dire, vu que tu nous as toujours pas dit tes tops, et du coup tu nous as toujours pas dit tes flops. Donc vas-y, je te laisse la parole. Tribune libre pour Ramos. Tribune libre, c'est donc parti. Je vais déjà rebondir directement sur ce qu'a dit Paul parce que j'ai sauté au plafond. Sur Rongier, tu me dis Rongier, très bon match, enfin, excellent match, tu as même dit.
Je te suis à peu près là-dessus, je dis très bon match. Alors, est-ce qu'on a reperdu Ramos? Ramos, tu nous entends? J'ai l'impression de dire la même chose. Bon, Ramos n'est toujours pas là, il est condamné à ne pas dire. C'est... Peut-être qu'il est censuré, hein. Peut-être qu'il a dit quelque chose de mal et qu'on l'a censuré, je ne sais pas. En attendant, on n'a toujours pas parlé de l'attitude. J'ai fait une petite erreur, on a passé l'attitude. Est-ce que, vous, messieurs, vous avez quelque chose à dire concernant l'attitude, Ramos, Paul, même Dodi, hein, ou Alan? Alan, vas-y, sur l'attitude. Sur l'attitude, moi, je trouve qu'elle est déplorable de semaine en semaine. Et c'est vraiment désolant de voir une équipe pareille. Je rejoins un peu ce que disait Valbuena dans son interview d'après-match. On voit de plus en plus une équipe sans âme. Il n'y a pas de leader sur le terrain et il n'y a aucun joueur qui ose prendre justement les devants et motiver tout le monde. Il n'y a personne qui est là pour jouer au foot, en fait. J'ai juste l'impression de voir des employés de l'OM, parce que c'est un travail, il ne faut pas l'oublier, mais juste l'impression vraiment de voir des employés jouer leur match et puis repartir et encaisser leur chèque. Et je trouve ça dommage, avec le métier qu'ils font, la chance qu'ils ont d'effectuer ce boulot, de justement ne pas faire le maximum sur le terrain. On a une équipe sur le papier qui est franchement pas dégueu, et on a des mentalités de joueurs qui sont pas suffisantes actuellement, surtout avec la Ligue des Champions, où on a justement besoin de résultats et un championnat pareil. Toi, Dodi, même si t'as pas regardé le match, mais bon, t'as vu, j'imagine t'as vu tous les matchs du début de la saison, qu'est-ce que t'en penses de l'attitude? Est-ce que t'as pas l'impression que, par exemple, contre l'Olympiakos, les joueurs étaient trop souriants d'entrer le match? On dirait dès qu'il y avait la médaille des champions, ils étaient tous souriants comme des enfants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais c'est vrai que, après, pour eux, faut les comprendre. On a une équipe qui est quasiment inexpérimentée en Ligue des Champions. C'est-à-dire que pour certains, c'était leur première. Pour d'autres, c'était la première fois qu'ils jouent dans cette compétition. T'en as qui ont joué cette compétition-là, mais qui ont fini la saison avec 0 points à la fin dans leur phase de poule. Donc, c'était un sentiment assez bizarre. Et puis, depuis le début de la saison, on sent pas, on voit pas de leader se dégager de cette équipe, en fait. Tout simplement, on a un Thauvin qui demande à être le centre de l'équipe, mais c'est assez difficile pour lui. Des fois, il a des prestations en dents de scie. Il a eu un petit trou à un moment donné de un ou deux matchs. On a Dimitri Payet, notre numéro 10, qui n'avance plus, il court plus. Ses centres deviennent de moins en moins précis, donc ça devient de plus en plus compliqué. Après, on a Alvaro qui tient derrière en défense, le problème étant qu'avec l'affaire Neymar, son esprit est ailleurs maintenant. Donc voilà, on n'a pas vraiment de leader qui se dégage de cette équipe, mis à part Mandanda. Mais Mandanda, à un moment donné, il va bien falloir qu'il parte et qu'il y ait d'autres personnes qui prennent ce leadership un peu sur le terrain, c'est-à-dire leader technique, un meneur d'hommes. Il nous manque vraiment un meneur d'hommes. Et ça, on l'a vu bah, notamment contre l'Olympiakos et voilà, des matchs contre Lorient. Parce que c'est vrai que passer d'un match de Ligue des Champions à un match de Ligue 1 contre Lorient, mentalement, ça peut jouer quand même chez les joueurs. Et ce qui fait que c'est assez difficile pour eux de faire la transition, tout simplement. Et il nous faut un leader, un meneur d'hommes, qui puisse dire aux joueurs, voilà, la Ligue des Champions c'est terminé, on a perdu, maintenant il faut se reconcentrer et repartir de l'avant. Un leader autre que Mandanda, je précise. Ouais, mais justement, j'ai une question à te poser, Alan. Regarde Lorient, si on regarde bien Lorient, ils en jouent comme des morts de faim aujourd'hui. Est-ce que tu penses que peut-être une autre équipe de l'OM ou même une autre équipe de Ligue 1, bah peut-être qu'elle aurait perdu ce match-là parce que mentalement, elle n'aurait pas résisté face à ces morts de faim de Lorient. Quand je dis morts de faim, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'envie et qu'ils ont mis beaucoup d'intensité quand même, hein, même si dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire. Mais est-ce que tu penses qu'une autre équipe aurait pu sombrer cet après-midi? Par rapport aux autres équipes, je ne sais pas comment parler par rapport aux équipes, mais avec le mental que dégage cette équipe, ça peut être compliqué de gagner beaucoup de matchs à l'extérieur face à des équipes justement qui en ont plus envie que nous. Parce que clairement, depuis quasiment le début de la saison, à part contre Paris, j'ai pas vu une seule fois où on était, je vais dire, mentalement supérieur dans l'envie que l'autre équipe, quoi. Et c'est dommage quand on sait que ce qui s'est passé l'année dernière et qui a failli se passer avec le départ d'AVB
où justement tous les joueurs se sont réunis, ils ont dit non, ne pars pas, on va se battre pour toi, tout ça, machin, machin, tout ça, et que finalement cette année on se retrouve avec des joueurs sans envie, sans motivation, qui se retrouvent à faire des matchs suffisants, pour dire le mot, hein, parce que c'est, on va dire, c'est suffisant, parce qu'ils rapportent les 3 points, mais c'est clairement insuffisant en tant que supporter de l'OM. Et je trouve que c'est dommage qu'on se contente de ça, quoi. Vas-y, Paul, tu veux réagir à ce que dit Alan? Ouais, j'avais juste une question à poser à Alan, parce qu'il a dit que actuellement les joueurs n'avaient pas d'envie. Est-ce que c'est vraiment une question d'envie? Et parce que moi j'ai l'impression qu'ils ont envie, les joueurs, mais qu'ils ne peuvent pas techniquement faire mieux que ça. D'ailleurs, je tiens à préciser ce qu'a dit Villas-Boas tout à l'heure en conférence de presse d'après-match. Il a dit que techniquement, ça allait être dur de faire mieux parce que le match, pour lui, était le maximum que pouvaient faire les Marseillais techniquement. Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un manque d'envie, quand même, parce que quand on voit l'attitude des joueurs sur le terrain, où justement Thauvin combine de moins en moins avec Sakai et joue de plus en plus tout seul sur son côté pour faire sa spéciale et finalement se faire tacler ou alors se faire prendre le ballon, quand on voit des Dimitri Payet qui ne court plus à l'Olympiakos alors que c'était un match de Ligue des Champions, qu'on attendait que ça justement pour qu'il se réveille, que lui aussi peut-être, pourquoi pas, avoir une place à l'Euro cet été, et que on se retrouve avec ça, quoi. Je vois plus d'Alvaro crier sur le terrain. Alvaro, il est là, il est silencieux, il est calme. Alors que depuis le début de la saison, avant le match contre Paris, il gueulait sur tout le monde, il gueulait sur les joueurs adverses, il gueulait sur l'arbitre. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Mandanda, il a perdu, je trouve, son leadership d'avant. Il est plus là à gueuler sur ses défenses, sur son attaque. Après, on n'a plus les images dans les vestiaires pour voir comment ça se passe et tout. Mais franchement, voilà, moi je trouve que la motivation reste un peu perdue, même si c'est pas le seul point de cette équipe qui est à revoir, mais je trouve que la motivation est un peu perdue par rapport à l'année dernière. Alors, je vais laisser Paul te répondre et après j'aurai une question à vous poser pour conclure sur l'attitude. Ouais, je suis d'accord avec toi quand tu as dit que depuis le match contre Paris, il y avait une baisse. Alors justement, est-ce que le match contre Paris nous a pas un petit peu desservi? Parce que on voit que depuis ce match, depuis cette victoire, les joueurs ont pas pris la confiance, mais disons qu'ils sont un petit peu démotivés, ils sont plus dans le coup, quoi. Donc est-ce que c'est pas ce match contre Paris qui nous a fait du mal, entre guillemets? Alan, vas-y, je te laisse répondre. C'est un beau dialogue. Moi, je pense qu'on a laissé beaucoup d'armes contre Paris. Et je trouve qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions de se ressaisir, de repenser à ça et de mettre de côté un peu tout ce qui s'est passé là-bas. Après, il y a eu beaucoup d'histoires hors football, hors terrain, qui n'auraient malheureusement pas dû se passer et qui ont été très, très, très médiatisées et qui ont impacté la vie de certains joueurs, dont notamment Alvaro principalement, mais on va dire aussi de tous ses coéquipiers, parce que tous les coéquipiers ont été concernés par cette affaire. Je trouve ça malheureux que, depuis le match de Paris, tout le temps qu'il y a eu de se ressourcer, de reprendre confiance en soi et de se ressaisir tout simplement, n'a pas suffi pour recréer un nouvel élan d'énergie à cette équipe, comme on avait pu voir en début de saison, ou justement l'année dernière avec le championnat. Bon, tu parlais du match de Paris, et on va conclure sur cette question que je vais vous poser, enfin conclure sur la partie attitude, mais aussi l'année dernière, tout à l'heure, Alan, tu disais, on n'entend plus Alvaro se gueuler après ses coéquipiers, tout ça, mais est-ce qu'au final, c'est aussi l'absence du public? C'est-à-dire que le fait d'avoir du public au Vélodrome, ça permettait aussi à des joueurs comme Alvaro d'avoir la grinta, d'avoir la rage, de vouloir satisfaire. Là, est-ce que tu penses que les deux, enfin que l'absence du public, ça pèse beaucoup dans notre début de saison? Mais vas-y, Paul, et après peut-être Alan, si tu peux répondre à cette question aussi. Ouais, alors certes, il y a l'excuse du public, hein, mais bon, forcément, on doit s'adapter à ça et on peut pas se cacher derrière ça parce que voilà, le public, il n'y est pas, on le sait, et il risque de pas y être au Vélodrome pendant un long, long moment. Donc, si pendant tout le temps où il y aura personne au Vélodrome, on fait de mauvais matchs et des mauvais résultats, ça va être très, très inquiétant, quoi. Et en plus, je suis pas totalement d'accord parce que pour certains joueurs, notamment les jeunes, ou même d'autres,
À l'OM, le public fait peur et il impressionne. Donc parfois, les joueurs ont la pression de bien faire à cause du public. Donc voilà, ça équilibre un petit peu les choses, on va dire. Moi, je trouve que ça joue quand même aussi comme Tchatchi Paul, parce qu'il y a certains joueurs du mercato qui sont venus par rapport à ça. Je pense notamment à Benedetto qui était venu justement par rapport à Gignac, qui lui avait dit tout le bien des supporters de l'OM, de l'ambiance qu'il y avait à l'OM, tout ça. Et c'est pour ça que l'année dernière, même si c'était pas fantasmagorique, c'était, on va dire, correct. Il a fait une saison correcte avec de bonnes stats sans forcément exploser tous les records. Et cette année, forcément, vu l'ambiance si particulière qu'il y a à Marseille, je trouve que les joueurs, pour la première fois, ressentent un réel manque derrière eux, une force qui les pousse, en fait, qu'ils n'ont plus, justement, depuis le début de saison, mais que, ils n'ont pas réussi à remplacer, en fait, même si, comme tu as dit, bon, allez, faudra pas se cacher derrière ça, parce qu'en soi, c'est des professionnels et ils doivent faire en sorte de donner le maximum sur le terrain, peu importe les conditions, parce qu'on est obligé de le subir, nous, comme eux, parce que ça nous fait chier de ne pas venir au stade. Mais voilà, tout simplement, ça doit être des passionnés de football, des passionnés de joueurs, ça doit être des vocations de faire ça, et que finalement, ils se relèvent pas de tout ce qui s'est passé avant pour redonner un nouvel élan à cette équipe et justement se focaliser sur leurs objectifs. Je trouve ça dommage. Alors, Ramos est de retour, et est-ce que Ramos va enfin réussir à nous donner ses tops et ses flops pour ce Lorient Olympique de Marseille? Vas-y, Ramos, je te laisse la parole. C'est ta dernière chance, hein, je te préviens. Bon, normalement, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Pour les tops, je disais, bon, je vais mettre Rongier, comme d'habitude, parce que Rongier, c'est l'éternelle satisfaction pour moi du début de saison marseillais. Je vais mettre également Hamavi, parce que très gros match, ses sauvetages kung-fu sont tout à son honneur encore. Bon, mais moi c'est encore parti. Voilà, c'est Non, comme non, ça. je suis là, pardon, excusez-moi. Je vais vous choquer pour mon troisième top, je vais mettre Benedetto. Pourquoi je vais mettre Benedetto? Parce que Benedetto. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui veut pas que tu dises du bien de Benedetto, parce que Ouais, puis bah quand ouais, tu parce que veux dire du là, bien, compliqué un peu. tu es le seul à dire du bien de Benedetto, et puis quand tu dis du bien, ben, on n'entend plus. Bon, c'est pas grave, on va passer Ouais, à je suis André là. Villas-Boas. Bon, vas-y, Vas-y. une dernière fois, Ouais, c'est ta vas-y. dernière chance. Excusez-moi vraiment. Mais Benedetto, pourquoi? Parce que dans ce système-là, il a été super intéressant. Avec deux attaquants de pointe, il a été très intéressant parce que c'est un mec qui s'excentre beaucoup sur les côtés. Il le fait toujours depuis le début de l'année et également l'année dernière. Mais là, de s'être excentré sur les côtés où il n'y avait personne en ailier gauche ou en ailier droit, il a été intéressant. Il a attiré des défenseurs sur les positions, qui nous a permis de créer des décalages. En fait, ce que je retiens surtout, c'est son jeu sans ballon. Je retiens vraiment son jeu sans ballon à Benedetto. Ensuite, pour ce qui est des flops, je dirais, je le mets à contre-cœur, mais je dirais Cuisance. Cuisance, parce que beaucoup d'envie, mais manque de justesse technique et n'a pas lâché son ballon assez vite sur certaines phases de jeu. Tout comme Thauvin, que je mets également dans mes flops, car il n'a pas du tout lâché son ballon sur certaines actions où il aurait pu servir Benedetto. Et là, j'en rejoins certains analystes quand ils disent Benedetto n'est pas servi, car dans ce match-là, il n'a pas été servi également. Et en troisième flop, je dirais AVB, parce que AVB commence à me casser les couilles avec ses changements à la 80e minute. Quand une équipe est totalement crevée, ça commence à me gonfler. On joue un match tous les 3 jours. Depuis Bordeaux, on est rentré dans une phase de. En 21 jours, on joue Attends, 7 matchs. Ramos, on va parler d'André Villas-Boas justement, C'est on va passer trop. à sa partie. Donc tu vois, c'est trop. On entre 7 matchs en 21 Ouais, jours et bon, on joue 7 matchs. on va parler d'André Villas-Boas dans la partie qui va suivre, juste après la conclusion de Polzer. Vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Ramos par rapport à Benedetto. Alors certes, il a un jeu sans ballon qui est plutôt pas mal. Certes, il fait de bons appels, mais c'est un buteur. Donc voilà, son taf, c'est de marquer des buts. Alors certes, ok, il n'est pas mauvais dans le jeu sans ballon, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Nous, ce qu'on veut d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts. On l'a recruté pour ça. On l'a pas recruté pour qu'il fasse des appels et que ce soit les autres qui marquent des buts. Donc
Alors, certes, il n'est pas mauvais, mais on doit attendre beaucoup, beaucoup mieux de Pika. Et depuis de nombreux matchs maintenant. Réponse brève de Ramos. Je te réponds juste vite fait, Paul. Franchement, sur ce match, il a vraiment été pas du tout servi. Thauvin a trop gardé la balle, vraiment. Il a trop voulu gris-gritter et faire la différence tout seul. Je sais plus qui l'a dit dans ses flops qu'il voulait faire la différence tout seul, Thauvin. Et ça s'est beaucoup vu. Et Benedetto, là, il a vraiment pas été servi. Franchement, je le dis, voilà, comme Alan le disait très justement, dans ses flops, il était Thauvin. Et Thauvin a trop gris-gritté, il n'a pas donné les ballons à... Oui, mais je suis d'accord, mais ça, c'est le cas depuis le début de saison. Donc, à mon avis, il va se remettre en question. Ramos, pardon, c'est le cas depuis à chaque fois, il touche un ballon. Depuis le début de saison, à tous les matchs, il touche 10 ou 15 ballons grand max. Donc, au bout d'un moment, c'est à lui de redescendre pour venir chercher les ballons comme il faisait l'an dernier, parce que l'an dernier, on le voyait souvent se replier défensivement pour venir gratter des ballons. Et c'est comme ça qu'il marquait des buts. Parce que là, il ne fait plus aucun effort, il ne fait plus aucun repli défensif, et on ne le voit plus. Donc, il va falloir faire quelque chose pour que ça s'améliore. Parce qu'on ne peut pas continuer la saison, notamment avec la Champions League, sans numéro 9. Oui, mais ton attaquant en 4, je rebondis vite fait, Tom, ton attaquant en 4-3-3, il n'est pas fait pour toucher 50 ballons par match. Il est là pour toucher 5 ballons dans la surface et en mettre 2, comme tu dis. Bon, Benedetto, il ne les met pas, malheureusement, mais... J'espère que la confiance lui reviendra. Voilà, je le souhaite. C'est pour ça que je dis qu'avec un vrai attaquant, pas un attaquant, parce que. Un deuxième attaquant. Je connais Benito là, c'est. Comment? Avec un deuxième attaquant. Ouais. Bon, oui, on va conclure. On va conclure. Allez, on va conclure parce qu'André Villas-Boas, là, ça fait. Il nous attend. Il attend qu'on donne notre avis sur son sujet. Ben, André, écoute, voilà, c'est bon. Tu vas enfin entendre l'avis de Alan. Sur ton coaching. Alan, qu'est-ce que tu penses de André Villas-Boas? Tu penses qu'il a fait les bons choix aujourd'hui, changement, composition d'équipe? Est-ce que tu es confiant avec la succession des matchs qu'on va avoir tous les trois jours là, est-ce que tu as confiance en Villas-Boas pour la gestion d'effectifs? Moi, je trouve que la composition d'équipe en soi, au départ, elle n'était pas injustifiée. Je trouve qu'elle est bien dans la continuité de ce qui s'est fait sur la fin du match de l'Olympiakos. Parce que l'Olympiakos, on avait fini en 4-4-2 aussi, je crois. Et donc là, il a décidé de reconduire pareil en 4-4-2. Et donc, je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée. En plus, avec les bonnes performances de Gueye, la dernière bonne performance de Cuisance qu'il a décidé de titulariser, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais après, je trouve que dans l'utilisation, c'était pas ouf, c'était pas fou. Parce qu'on a vu tout simplement que les joueurs étaient un peu perdus une fois qu'ils avaient le ballon au pied. Notamment en match, on a vu des relances d'Alvaro directement sur Benedetto, sur Thauvin en transversal. Donc en pro, qu'on se mette à sauter le milieu de terrain comme ça, je trouve ça pas normal, surtout quand on joue en 4-4-2 où justement il y a 4 milieux de terrain, donc on a 4 solutions différentes pour redistribuer ensuite sur les ailes et l'attaque. Et je trouve que justement c'est dommage. Après, au niveau des changements, il n'a pas été efficace, encore une fois. Comme les autres matchs depuis le début de la saison, il fait encore ses changements, 75e, 80e minute. Mais j'ai l'impression que juste il les fait parce qu'il faut les faire, parce que les joueurs sinon ils vont mourir à la fin du match. Et parce qu'en soi, après, on a vu la bonne rentrée de Ake, je trouve, qui n'était pas dégueu, même si il a touché que quelques ballons en 5-10 minutes. Je trouve qu'il a réussi déjà à faire quelques bons mouvements, quelques bons déplacements, qui je trouve étaient très intéressants et que je trouve dommage de ne pas lui donner sa chance en tant que titulaire, quoi. Ramos, vas-y. AVB, bah, j'aime beaucoup ce coach, mais je commence à être dépassé de son coaching à la Deschamps avec ses changements à la 75e, 80e, surtout qu'on a 5 changements autorisés et qu'on est dans une phase où on joue beaucoup de matchs en très peu de jours. Donc ça commence à être un peu désopilant et... Moi, ça me décontenance même de voir un coaching pareil. Après, il sait ce qu'il fait, hein. Je suppose qu'il sait ce qu'il fait. Même dans le turnover, je vois pas de turnover alors que certains joueurs commencent à être fatigués. Je comprends pas trop. Non, franchement, je sais pas. J'attends de voir la suite. Mais après,
Faut pas oublier quand même qu'on n'a qu'une seule défaite, hein. On a 8 ou 9 matchs de championnat et on n'a qu'une seule défaite contre Saint-Étienne où on a pris l'eau totalement. Il n'y a qu'un seul match où on a pris totalement l'eau. Faut pas l'oublier. Paul, est-ce que quand tu vois des gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux dire oui, Villas-Boas, j'en peux plus, qui démissionne, qu'on le vire, toi, qu'est-ce que t'en penses de des gens qui réagissent comme ça? Alors, certes, on peut lui reprocher pas mal de choses à Villas-Boas, mais de là à voir son départ ou sa démission, c'est totalement débile, j'ai envie de dire, parce qu'on oublie toutes les fois où il nous a sauvés avec des coachings payants, que ce soit cette saison ou la saison dernière. Donc, voilà. Après, certes, il est fautif sur beaucoup de choses depuis quelques temps, là, notamment avec ses coachings beaucoup trop tardifs. Et par exemple, mercredi dernier ou encore aujourd'hui, là, il aurait pu faire rentrer des mecs comme Aké, Henrique ou Radonjić beaucoup plus tôt pour pouvoir dynamiser un petit peu le jeu. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais de là à vouloir son départ, c'est totalement, je sais pas, moi, c'est totalement débile, je trouve. Et par contre, il y a un truc sur lequel je voulais, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que en conférence de presse tout à l'heure, il a dit que voilà, le jeu produit ce soir par les Marseillais était séduisant et que ça allait être difficile pour lui de produire un jeu beaucoup plus séduisant. Et donc voilà, ça montre un petit peu les limites de l'effectif marseillais et du coaching de Villas-Boas. Donc c'est à la fois inquiétant, mais il ne faut pas non plus en arriver à des conclusions comme une démission d'AVB. Toi, Elodie, quand tu vois l'enchaînement de matchs qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui, de toute façon, qu'on a eu à partir de la semaine dernière, voilà, à commencer par Bordeaux, est-ce que tu as confiance en Villas-Boas pour gérer cet effectif? Franchement, je pense que pour lui, ça va devenir compliqué avec le temps. Maintenant, il a les résultats pour lui. Il faut lui accorder. Il a les résultats pour lui depuis l'année dernière. C'est celui qui nous a ramené en Ligue des Champions. Voilà, ça faisait 7 ans qu'on attendait ça. Donc, c'est assez difficile de donner un avis sur Villas-Boas, hein, parce qu'il fait pas des séries de défaites. On a plus de séries d'invincibilité qu'autre chose. Après, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas séduisant, mais est-ce qu'il a les capacités de faire mieux avec l'effectif qu'on a? Après, moi, je reproche plusieurs choses à André Villas-Boas. C'est tout d'abord, comme vous tous, les changements qui sont tardifs. Et la deuxième chose, c'est il a pas beaucoup de prise de décision. C'est-à-dire que, voilà, on sait que Payet, il est en dedans depuis plusieurs matchs. Il avance plus. Le meilleur match qu'on a pu faire contre Bordeaux, il n'a pas été là. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des décisions fortes et que, d'accord, t'es un cadre, ok, t'es important dans mon effectif, mais à un moment donné, il va falloir que t'ailles sur le banc si tu me donnes pas ce que j'attends de toi en fait. Mais avec l'enchaînement des matchs, ça va devenir compliqué. Déjà là, faut qu'on affronte City. Donc voilà, ça va déjà être un gros boulot. Ensuite, on a Porto. Entre deux, on a Lens où on peut espérer prendre les 3 points, même si les Lensois, ils produisent un jeu incroyable et ils peuvent nous mettre en difficulté. Et on enchaîne avec Strasbourg et Nice. Donc voilà, je suis plutôt inquiet pour la suite du calendrier. Et si on continue à produire le même jeu au fur et à mesure des matchs, on peut s'attendre à une série de défaites qui se profilent. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Dodi. Bon, je sors l'expression à la polo, hein, je vais rebondir sur ce que tu dis. Mais sur Payet, Payet, il ne peut pas le mettre sur le banc s'il n'est pas suspendu ou autre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le mettre sur le banc? Parce que Payet, c'est con à dire, mais il est considéré comme un joueur cadre de l'effectif, un joueur phare de l'effectif. Il ne peut pas se permettre de mettre un Dimitri Payet sur le banc. Pour mettre qui? Pour mettre. Nemanja Radonjić ou je sais pas qui pour mettre. Le problème, c'est la profondeur de banc. On n'a pas un effectif qui est fait pour jouer sur plusieurs tableaux, sur toute une saison. L'année dernière, ça a réussi parce qu'on avait un match toutes les semaines. Voilà pourquoi on a réussi l'année dernière à faire quelque chose. Mais cette année, moi, je pense qu'on va couler et je pense que l'important, c'est de tenir je pense que l'important, c'est de tenir cette année sur le championnat et, certes, ça fait 7 ans qu'on n'a pas été en Ligue des Champions, mais je pense qu'il faut la laisser de côté, malheureusement, parce qu'on n'a pas l'effectif pour et que notre projet est encore
trop, enfin, je sais pas, trop faible. Ouais, mais dans ce cas-là, Paul, tu mets. Enfin, non, je lui demande pas de mettre Radonjić sur enfin, si, à la limite. Je lui demande de mettre un mec qui court, quelqu'un qui fait des efforts. Parce que, à contrario de Thauvin, Thauvin, voilà, même si quelquefois dans le jeu il est en dedans, c'est quelqu'un qui arrive à faire les efforts, tu vois. Alors que Payet, bon, c'est tout ce que sur le côté gauche, voilà, ça sert à rien parce que quand faut revenir, il est pas là. En contre-attaque, quand faut accélérer, il est pas là. Donc, en fait, il met AVB dans une position assez difficile. Et la personne qui prend pour bah, les non-efforts de Payet, quelque part, c'est Sanson. Parce que il court partout. Tu le demandes d'être à gauche, tu le demandes d'être devant, voilà, tu le demandes de défendre, d'attaquer en même temps. C'est-à-dire que le mec, il se fait un peu trimballer. Et à la fin, perte de lucidité. On a des occasions comme à Saint-Étienne où il la met à côté. Alors que la semaine d'après à Metz, il la met dedans. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà pourquoi je reproche à AVB bah, sa non-prise de position. Parce qu'à un moment donné, bah, bien falloir que. Bah, écoute, mon garçon. T'es bien gentil, Zumba Café, tu danses bien, mais maintenant, fais un petit tour sur le banc, je vais te mettre des mecs qui courent, tu vas regarder un peu comment ça joue au football, avec ou sans toi, parce que c'est vrai que sans Payet, quand même, on perd une qualité technique, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Le mec, il a encore, si c'est 7 ans de contrat, ça devient un dictateur, donc non, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Ouais, il a 7 ans de contrat et 7 kilos à prendre, à perdre Voilà! aussi. Mais, mais tu pourrais être un bon co-animateur aussi parce que c'est parfait pour la question que j'allais poser à Alan. Alan, j'ai entendu pas mal de supporters dire le problème avec Garcia, c'était l'ennemi des joueurs. Les joueurs n'en pouvaient plus de lui. Mais le problème aussi avec Villas-Boas, c'est qu'il est trop ami avec les joueurs, du coup. Les trop ami, du coup, ben, il n'ose pas prendre des décisions fortes, notamment l'encontre de Payet. Il n'ose peut-être pas dire certaines choses à Thauvin. Il n'ose pas se séparer de Sanson sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Là, peut-être justement, on a le cas de deux extrêmes. D'un côté, on a Rudy Garcia qui ne parle à personne, qui n'est ami avec personne et qui, quand ça ne va pas, parle un peu dans ton dos pour justement peut-être descendre et après te mettre sur le banc sans forcément comprendre. Et d'un côté, tu as Villas-Boas qui lui parle beaucoup avec les joueurs, qui est beaucoup avec eux sur le terrain et en dehors, et qui justement, peut-être sa relation empêche à Villas-Boas d'imposer une espèce de hiérarchie au sein du groupe et imposer justement ses choix et ses besoins afin de motiver les joueurs sur le terrain. Et donc forcément, vu que les joueurs pensent que c'est un collègue qui est sur le banc, ils n'ont pas forcément le même respect qu'ils l'auraient pour un vrai coach, une vraie personnalité sur laquelle ils auraient énormément de respect. Ils ont du respect, mais en tant qu'ami, en tant que copain, tout ça, mais pas en tant qu'entraîneur, que réel chef de l'équipe. Dodi, fais-nous kiffer. Si demain t'es l'entraîneur pour l'OM, qu'est-ce que tu dis à Payet dans le vestiaire? Franchement, si demain je suis entraîneur de l'OM, voilà, tout d'abord, je vais le prendre entre quatre yeux et je vais lui dire, bon, écoute, je t'aime bien, voilà. L'année dernière, tu nous as fait gagner beaucoup de matchs, mais le football, ça va vite. Donc, et surtout à Marseille, c'est-à-dire que, voilà, on oublie vite ce que tu as pu faire. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin de toi. T'es en dedans, donc je vais te mettre sur le banc. Voilà, sur 2-3 matchs, je vais te mettre sur le banc sur 2-3 matchs, ça pourra te permettre de réfléchir et entre guillemets de te remettre en question parce que je sais pas, enfin voilà, je sais pas si en fait Payet se remet en question tout simplement parce que depuis le match contre le PSG, il est en roue libre, tout simplement, il est en roue libre et enfin, c'est vrai, depuis le match contre le PSG, il avance plus, il a attendu un match, celui contre le PSG, il a fait la prestation qu'il a pu faire. Et après, ça s'est terminé, tout simplement. Donc, moi, je suis AVB. Demain, je lui dis, écoute, voilà, c'est bien beau ce que tu as pu faire pour nous. Mais maintenant, on va te mettre sur le banc pendant 2-3 matchs. Si on perd, j'assumerai mes choix. Il n'y a aucun problème. Et voilà, s'il faut te remettre, je te remettrai. Mais dans tous les cas, au moins, j'aurai été franc avec toi. Comme il l'a fait avec. Comme il a pu le faire avec Rokia, avec Mitroglou, voilà, ou autre. Bon, après, la force de Payet, c'est que voilà, mais du coup, ben, même quand il joue pas, ben, il s'invite dans les débats automatiquement, on s'en est même pas rendu compte. Et je crois que Ramos voulait te répondre, Dodi. Donc vas-y, Ramos. Ouais, j'ai envie de te répondre, Dodi. Parce que, donc, toi, si t'es coach de l'OM, la seule chose que tu dis à Payet, c'est ça, mais t'as pas oublié quelque chose. C'est-à-dire.
T'as pas oublié de... que tu lui parlais de sa coupe de cheveux. Et de son poids aussi. Voilà, tu... Non, mais tu dirais pas quelque chose là-dessus. Il en met forme totale. Il en met forme totale. C'est, voilà, d'où la remise en question. C'est exactement pour ça. C'est qu'il non, est en voilà. met forme. Il est en méforme et en surpoids. Mais voilà. Non, oui, mais je suis d'accord avec toi. Parce que c'est toute une méforme, c'est toute une méforme. Il est plus joueur de foot. Il est acteur, j'ai envie de te dire. Il est acteur d'une vie qui s'invente, d'une vie avec une armoire à trophées qui est remplie. Alors que Dimitri Payet, on le sait très bien, il a remporté la Coupe de la Réunion en U17. Voilà, c'est tout. C'est triste à dire, mais c'est un super. Il a de l'or dans les pieds, mais il fait de la merde. C'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui. Franchement, c'est difficile pour lui. Vas-y, Paul. Je voulais encore une fois rebondir sur ce qu'a dit Ramos, je crois. Donc, Payet, on le met sur le banc. Ok, certes, il n'est pas très bon ces derniers temps. Je suis le premier à le critiquer là en ce moment. Mais tu peux pas te passer d'un Payet qui est capable de sortir un éclair de génie à tout moment. À chaque match, il peut sortir une frappe de 25 mètres ou une passe lumineuse qui va te faire gagner un match. Alors certes, il n'est pas bon, et certes, il gâche toutes ses occasions depuis quelques matchs, mais c'est compliqué de le mettre sur le banc. Mais une passe lumineuse pour qui, Paul ? Ce mec-là, tu vois... Il n'y a personne devant. Attends, ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, mais il y a toujours un Thauvin ou un Pipa. Mais en plus, le pire, c'est que ce mec-là, c'est un cadre, c'est même une star du vestiaire, quoi. Donc, ces mecs-là, ils ont le melon. Si tu le mets sur le banc de 2-3 matchs, ça ne va pas l'aider. Au contraire, ça va l'énerver. Il fera encore moins quand il sera titulaire. Donc, je pense que le mettre sur le banc, ce n'est pas la bonne solution. Alors, attends, Paul, excuse-moi, Tom, s'il te plaît. Alors, dans ce cas-là... Allez, vas-y, je te laisse la parole. Merci. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faudrait le laisser sur le terrain en attendant que tout se décante d'un coup comme ça ? C'est compliqué. C'est vrai que c'est un joueur phare. C'est vrai qu'il a, voilà, il a un contrat qui lui permet aujourd'hui d'être très à l'aise à l'Olympique de Marseille, avec une suite probablement dans le staff technique ou dans l'organigramme du club. Mais aujourd'hui, enfin voilà, on est tous d'accord pour dire que il n'avance plus. Alors d'accord, ne pas le mettre sur le banc contre City, je peux bien comprendre parce que c'est un gros match, surtout c'est une Ligue des Champions et voilà, ça risque de le tuer plus qu'autre chose. Mais le mettre sur le banc contre Lens, et après tout dépend du match qu'il fera contre City, hein, voilà. Mais le mettre sur le banc contre Lens et lui dire que voilà, tes prestations en ce moment elles sont pas très bonnes et ta méforme nous met plus en difficulté qu'autre chose, c'est un discours que un coach doit tenir, surtout si t'es un joueur phare et t'es censé être la star du club. Même si aujourd'hui je pense plus que ce soit Thauvin la star. Après voilà, ça ce n'est que mon avis. Ouais, dans le fond je suis d'accord avec toi, mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut pas se passer d'un Payet. Qui est-ce que tu veux mettre à sa place? On a qui? On a Ake et Henrique. C'est loin du calibre de Payet. Parce que et Radonjić aussi. Non, oui, non, il faut l'oublier. Voilà, tu sais ce que l'on pense de Radonjić. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur qui peut prétendre avoir le niveau de Payet sur le long terme. Donc, forcément, ça va être très compliqué et je vois très mal Villas-Boas mettre Payet sur le banc un match ou plus même. Alors, à ce moment-là, il faut qu'il se remette en question, Payet, même si ça va être difficile. Et je sais pas, on fait travailler beaucoup plus à l'entraînement. On fait perdre son poids, pardon. On lui ramène un préparateur physique spécialisé pour lui. On fait un truc, mais je pense que le mettre sur le banc, c'est encore une fois pas du tout la bonne décision. Et justement, ça nous desservirait sur le long terme. Avant de passer à l'analyse de notre prochain match, j'ai une dernière question pour Alan. Alan, tout à l'heure, j'ai posé la question à Dozy en lui disant « Qu'est-ce que tu dirais si demain tu es coach de l'OM si tu vois Payet ?» J'ai la même question pour toi, Alan, mais en MRC, si demain tu croises Villas-Boas dans la rue, qu'est-ce que tu lui dis à propos de ton coaching? C'est très compliqué de répondre à ces questions parce que je ne pense pas avoir les capacités spécifiques pour lui donner des conseils. Mais si je devais donner des conseils, ça serait d'adopter un jeu, on va dire, plus offensif, d'utiliser davantage les ailes, ce qui n'a pas été le cas ce soir, parce que clairement, le jeu s'est fait directement dans le couloir
de jeu direct. C'est-à-dire au milieu de terrain, il y a eu peu ou pas de jeux sur les côtés, sur les ailes, tout ça. Et c'est pour ça que je réfléchirais, si je devais me croiser dans la rue, je lui parlerais de ça, de repasser, on va dire, en 4-3-3 avec de vrais ailiers pour avoir un vrai apport sur les ailes et justement avoir plus de centre et plus de combinaisons sur les côtés. Et, de faire tourner davantage ces joueurs, parce que clairement, faire des remplacements à la 80e minute, sachant les capacités aérobiques de certains, dont on ne va pas citer les noms, parce qu'on les a déjà trop cités depuis le début de ce live, mais clairement, voilà quoi, c'est quelques trucs qui a changé, ce n'est pas la totalité de son système ou de sa méthode, mais juste quelques trucs à ajuster pour justement qu'on soit au top et qu'on redevienne un peu l'Olympique de Marseille qu'on était la saison dernière. Bon, on va passer à l'analyse ou notre analyse du prochain match contre Manchester City, l'ogre de Manchester City. Ils sont plus forts que nous, mais bon, au niveau palmarès, on est meilleurs qu'eux. On a une Ligue des Champions. Ils ont même pas une finale de Ligue des Champions, eux, je crois. Bon, voilà, c'est ce qu'on pourra dire demain, enfin, mardi soir aux supporters de Manchester City lorsqu'ils ont gagné 5-0 contre nous au Vélodrome. Je l'espère pas. Mais bon, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette confrontation? Est-ce que, bon, déjà, il n'y a pas de public, donc déjà, est-ce que ça vous frustre? Et de deux, est-ce que c'est le style de match où vous dites, bon, ben, on a 9 chances sur 10 de perdre, donc bon, peu importe le résultat, peu importe la manière, c'est pas grave, on n'a rien à perdre sur ce match, voilà, on va pas être exigeant. Vas-y, Paul, vas-y. Ouais, bah forcément, on joue Manchester City, voilà, je pense que quand on a dit ça, on a tout dit, c'est Manchester City, on connaît cette équipe-là, on sait qu'ils sont très très forts et même à des années-lumière de notre niveau actuel. Voilà, quand on voit les matchs qu'on fait en ce moment contre l'Orient, l'Olympiakos, etc., comment ne pas avoir extrêmement peur, quoi. Je pense, pour moi, je suis très très pessimiste sur ce match-là et je pense que on risque de prendre une valise 4-5-0 voire plus. Hein. Et je pense que ça va être très 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 compliqué de se créer des occasions sur ce match-là. En plus, ça sera sans le public. Voilà, les joueurs ne seront pas poussés par le deuxième, même si c'est vraiment très regrettable. Hein. On a tous rêvé de revoir une grosse affiche européenne avec un stade à guichet fermé. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis 7 ans en Champions League. Ce ne sera pas pour maintenant. Et voilà, donc forcément très pessimiste et très inquiet avant ce match. Et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre vous. Pour rebondir ce que tu dis, du coup, Paul. C'est vrai que si on voit les dernières prestations que l'on a fait en championnat et en Champions League, clairement ça va être vraiment très compliqué et très difficile de voir ce match contre Manchester City parce qu'ils ont des qualités offensives, des qualités techniques que l'on n'a pas et que l'on n'aura peut-être pas d'ici là. Et donc même si je garde quand même un espoir. Parce que je me dis, si Lyon a réussi à gagner deux fois d'affilée contre cette équipe, je me dis pourquoi pas nous, quoi. Parce que Lyon, c'est pas non plus le Barça, c'est pas non plus le Real de Madrid. Certes, ils ont un joueur fantastique qui s'appelle Maxwell Cornet, mais bon, je vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à causer quelques problèmes à cette équipe. Si on joue avec l'envie et le même impact qu'on a joué contre le PSG, dans ce cas, je me dis pourquoi pas. En soi, contre le PSG, on a bien vu, ils ont perdu contre Manchester, tout ça. Et je trouve que le match contre le PSG, c'est le match le moins ridicule de la saison. Et je me dis que si on joue comme ça, avec la même mentalité, le même impact physique que ce match-là, moi, je me dis que ce match-là, tout est possible. Paul, est-ce que la Manchester City, ça te fait peur, toi? Bon, j'imagine que tu vas me dire oui, mais quand on voit finalement qu'ils font un mauvais début de saison en Première Ligue, que là, je crois que c'est West Ham qui a fait un match nul contre eux tout à l'heure. Si West Ham, ils peuvent, alors je sais pas si on est meilleur ou pas que West Ham, mais bon, si West Ham, ils peuvent, ça veut dire quand même que Manchester City n'est pas intouchable, hein, et en plus, Lyon a quand même réussi. Qu'est-ce qu'en pense, Paul? Tu me demandes si Manchester City me fait peur. Forcément, comment ne pas avoir peur de Manchester City à l'heure actuelle? Vu le jeu qu'on produit, même Lorient vient à nous inquiéter, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment très affolant. Donc,
Voilà, forcément, c'est encore une fois, je le dis, je mise pas un centime sur une victoire ou même un match nul, quoi. Et d'ailleurs, je voulais encore une fois rebondir sur ce qu'a dit Ramos. Ouais, tu parles des Lyonnais qui ont battu Manchester City il y a un an ou deux, il me semble. Mais tu oublies que voilà, Lyon, déjà, c'est un Il y a juste 3 mois en fait, hein. Oui, il y a 3 mois aussi d'ailleurs, mais ils l'ont fait aussi déjà il y a 2 ans. Mais tu oublies que Lyon, c'est un club qui, dans les gros matchs, porte ses couilles, hein, on va pas se mentir, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, à l'inverse, dans les gros matchs, on est quasiment inexistant. Alors certes, on a battu Paris, mais voilà, en règle générale, on n'est vraiment pas bon dans les gros matchs. On se chie dessus, hein, parlons français. Donc voilà. Et en plus, Lyon a de meilleures individualités que nous. Voilà, sur le papier, ils ont des mecs comme Depay, à l'époque ils avaient Fekir, Mathieu Cornet, etc. Pour pouvoir gagner des gros matchs. Alors que nous, on a un Thauvin qui n'est pas en forme, Payet n'est pas non plus en forme, Benedetto est inexistant. Donc voilà, même un nul, c'est impossible. Et justement, je vous pose la question à tous, est-ce que vous pensez qu'un match nul même, on ne parle même pas de la victoire, est-ce que vous pensez qu'un match nul est réalisable? Attends, d'abord je vais réagir. J'ai justement une question qui ressemble à la tienne que j'avais posée à Ramos. Ramos, demain t'es André Villas-Boas, t'es dans le vestiaire de l'OM. T'as tous les joueurs de l'OM en face de toi et tu leur dis quoi concernant Manchester City? Est-ce que tu leur dis, les gars, jouez tranquille, on n'a rien à perdre, si on fait un nul, ce sera un bon résultat. Enfin, quelle tactique tu fais et qu'est-ce que tu leur dis en plus? Alors, déjà, premièrement, je prends Payet à part et je lui parle de sa coupe de cheveux. Deuxièmement, je sors le classement actuel de Manchester City et je leur montre que Manchester City actuellement est quand même 12e, qu'ils ont joué 8 matchs, je crois, depuis le début de leur saison, et qu'ils ont joué 5 matchs qui sont à 8 points. C'est 8 buts pris, c'est 8 buts marqués Manchester City pour 8 buts encaissés. C'est quand même une défaite, une volée, pardon, pris face à Leicester 5-2. Si Manchester City n'est pas prenable tout de suite là maintenant, ils ne seront jamais prenables. C'est pas Manchester City l'année dernière quand ils carburaient à fond, ou il y a 2 ans quand ils ont été champions, qu'on va pouvoir les prendre. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Et pour la tactique, j'envisagerais comme West Ham m'a fait cet après-midi. West Ham, ils ont fait match nul 1-1 sur leur pelouse, et ils ont privilégié un 5-4-1 ou un 5-3-2, je sais plus, mais je crois un 5-4-1. Et ils ont tenu le score. Alors justement, c'est là que notre match à but purement commercial, entre parenthèses, contre Bayern Munich va éventuellement pouvoir nous servir. Mais moi, je dis que City est prenable. Si c'est pas tout de suite, ça sera jamais. Vas-y, Paul, tu voulais réagir. Ouais, pour moi, tu délires, hein, complètement. City n'est pas du tout prenable, hein, même si ils font des résultats pas très corrects en ce moment, ça reste City, hein, et voilà. En première ligue, on va pas se mentir, les équipes sont largement meilleures que celles de Ligue 1, que ce soit à Tu crois que l'extérieur ou West Ham est meilleur que l'OM? Non, mais West Ham est meilleur qu'un Lorient, qu'un Dijon, qu'un Bordeaux, etc. Donc quand on affronte ces équipes-là, on va dire, milieu de tableau en Ligue 1, et qu'on galère à les battre, voire qu'on les bat pas pour certaines, c'est forcément très inquiétant. Après, juste pour répondre à ta question de tout à l'heure par rapport à Villas-Boas dans le vestiaire, moi c'est très simple. Je mets le plus en défense, hein, voilà, je joue avec 5 défenseurs, tu mets Douillet, tu mets Balerdi, Alvaro. Et devant, tu fais jouer des joueurs très rapides comme Aké et Henrique. Voilà, tu mets Aké, Henrique et Payet ou Thauvin comme bon te semble. En tout cas, tu ne mets surtout pas Benedetto parce qu'il va encore moins toucher de ballon que d'habitude. Donc voilà, tu mets beaucoup de défenseurs. Une compo très défensive avec des mecs comme Strootman qui pourront te récupérer de bons ballons. Et tu mets des joueurs très rapides devant pour pourquoi pas espérer de se créer une occasion, pardon, mais vraiment sans grand espoir. Mais je trouve qu'il y a un truc que toi particulièrement tu oublies et que les supporters marseillais oublient également, c'est que cette année, Marseille, c'est une seule défaite. Enfin, on ne Mais en compte pas Ligue la 1. Ligue des Champions, je ne compte pas la Ligue des Champions, c'est une seule défaite face à En Ligue 1, Saint-Étienne. mais... Non. Oui, certes en Ligue 1, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a enchaîné tous les 3 jours des matchs. On a joué Saint-Étienne, après on a joué Lille, après une semaine après on a joué Lyon, après il y a eu la trêve internationale et on a encore rejoué, et ainsi de suite.
On a enchaîné des gros matchs sans perdre. Ça me fait un petit peu, mais vraiment un petit peu, penser à l'équipe de France, qui n'est pas flamboyante, mais elle ne perd pas. Elle ne perd pas, elle est solide, l'équipe. Et Marseille, on a beau dire ce qu'on veut dire, il y a un seul match où ils sont passés à travers, c'est face à Saint-Etienne. L'Olympiakos, si on ne prend pas un coup du sort, et Valbuena, il nous sort son centre, et le capitaine là, qui met son but, ben on repart avec un point de l'Olympiakos. Donc, tu vas me dire que contre Metz, contre Lille, même contre Brest, et encore ce soir, on a fait des bons matchs. Contre Brest, oui, on gagne. Contre Lille, non, il n'y a pas de fond de jeu, mais j'ai envie de te dire, le principal, c'est qu'à cette heure-ci, on soit toujours dans la course pour le podium. Moi, j'ai envie de te dire, le fond de jeu, c'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, moi, c'est d'avoir un classement final. Voilà, c'est ce qui me préoccupe pour avoir des... Ah, là, c'est du Gilles Deschamps qui parle. J'ai pas envie de me retrouver comme Jean-Michel Aulas et d'être obligé de mettre la LFP en justice pour pouvoir toucher de l'argent et pour pouvoir faire vivre mon club. Je suis d'accord avec toi. Il y a Sylvain, d'ailleurs, qui nous dit sur Twitch, qui nous dit que sur un match, tout est possible. Et regardez, je me rappelle bien, Paul, tu parlais de Lyon il y a 2 ans. Tout le monde avant le match disait Lyon n'a aucune chance, c'est impossible à l'Etihad Stadium de gagner là-bas. Au final, ils ont gagné 2-1. Au match retour, ils avaient fait 2-2 aussi. Et City, peut-être que aussi City se disent bon, ben ça va, on joue Marseille. Apparemment, ils font pas un meilleur début de saison. Ils sont derniers du groupe. Ils ont perdu contre l'Olympiakos. Bon, ben ça va, on va gagner. Parce qu'eux, ils nous voient un peu comme Porto. Ils se disent bon, voilà, on va gagner. Peut-être qu'ils vont nous prendre de haut et que peut-être qu'ils seront châtiés de leur témérité, comme je dis. Et regardez le match qu'on a fait contre Paris. C'est obligé que Villas-Boas va se servir de cet exemple. Dernière chose, quand même, parce que bon, on parle de City comme si on était habitué à recevoir ce type d'équipe, alors que pas du tout. C'est quand même une fierté, j'imagine, pour vous de voir des grands noms comme Pep Guardiola, Sterling, et j'en passe, venir au Vélodrome, non? Qu'est-ce que t'en penses, Dodi, tiens, on t'a pas trop entendu. Bah moi je pense que ça pourrait faire du bien tout simplement au club, hein, mais malheureusement on n'a pas de supporters. On aurait bien aimé avoir un Vélodrome rempli pour un match comme ça. En plus c'est vrai que c'est une affiche, hein, tout simplement, c'est une affiche, mais ça va nous donner beaucoup d'expérience pour les prochains matchs de Ligue des Champions, déjà d'affronter des équipes comme City. Et voilà, ce sera de l'apprentissage pour tous les joueurs qui seront sur le terrain. Ça va être de l'apprentissage. Ils vont jouer face à de grands joueurs. Il va falloir qu'il soit très très fort au niveau mental pour pas craquer, parce qu'on verra pas le ballon déjà. Il va falloir que physiquement il soit au point, parce qu'encore une fois on verra pas le ballon. Et voilà, il va falloir que défensivement aussi ce soit solide. Donc j'attends de très grosses prestations de la part de Alvaro et de Caleta-Char, parce que devant avec Agüero ça va aller plutôt vite. Ah, moi, même question, toi, bon, dommage que le Vélodrome est vide, évidemment, mais quel est le nom que tu as le plus hâte de voir fouler la pelouse du Vélodrome ou le banc du Vélodrome, si tu parles de Guardiola? À Manchester City? Des joueurs de City? Ouais, ouais, ah, évidemment, bah, parce que les joueurs de l'OM, ils sont habitués à jouer au Vélodrome, normalement. Oui, normalement, mais bon, on va rester quand même... objectif. Mais le joueur que j'ai hâte de voir, moi personnellement, c'est Benjamin Mercier. C'est Benjamin Mendy, c'est obligé. Benjamin Mercier, c'est un membre de Peuple Olympien. Ouais, alors, je savais pas qu'il avait signé à Manchester City, mais bon. Ouais, non, mais j'ai fait un petit. Enfin bref, moi j'ai hâte de revoir Jules numéro 2 au Vélodrome. Je suis impatient, mais. Après, non, moi je reste positionné sur mon truc. Si on les prend pas maintenant, City, on les prendra jamais. Ils sont dans une méforme continue. Ils ont encore mis l'équipe type contre West Ham. Gundogan, Rodri et David Silva, Bernardo Silva au milieu. Et on peut également avoir un gros avantage, c'est que leur défense centrale, elle se connaît pas du tout. C'est Eric Diaz, Ruben Diaz et Eric. Eric Garcia. Voilà, merci. Eric Garcia. Donc, c'est deux jeunes petits joueurs. Ils ne se connaissent pas trop. Et puis, la preuve, ils prennent l'eau cette année. Donc, c'est là qu'on peut tenter notre chance. Voilà. Bon, on va conclure sur
sur une dernière question que je vais vous poser à chacun d'entre vous, c'est-à-dire quel est votre pronostic pour OM Manchester City en Ligue des Champions mardi prochain? Alors, je veux deux pronostics. Le pronostic objectif et le pronostic pas du tout objectif. On va commencer par Alan. Le pronostic, on va dire, style objectif, ça va être clairement la défaite, voire l'humiliation. Et s'il n'est pas objectif, je me dis qu'on gagne 3-0 sur un triplé de Benedetto avec, pourquoi pas, une passe décisive de Mandanda. Voilà. Ah ouais, tu peux le remake du but de Brandao contre l'Inter, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, ben voilà, bon, ben, ça serait pas mal. Vas-y, Dodi. Un objectif et un pas objectif, d'accord. Donc, sur celui qui est objectif, moi, je vais vous surprendre, parce que en vrai, si on joue comme au début de saison et en étant solide, on peut prendre la victoire 1-0 face à un City qui est pas top, en ce moment, en plus, c'est vrai, comme Ramos le rappelle à chaque fois, on peut prendre 1-0, on sait jamais, sur une main, un coup de la VAR, et paf, un penalty, et après, on bloque derrière, et tout est carré. Et ensuite, ouais, pour le non-objectif, bon, on prend une rouste, hein, tout simplement. Franchement, on en prend 4 à la mi-temps, voilà, bien sûr. 5-0. Voilà, on en prend 4 à la mi-temps. Les joueurs, ils sont un peu la tête sous l'eau. Et on en prend un cinquième juste pour le plaisir en deuxième mi-temps pour les spectateurs. Et puis voilà, hein, rideau. Bon, et toi, Ramos, toi, tu vas être mesuré, je suis sûr. Personnellement, moi, je vois plus... pour le prono objectif, je vois plus une petite défaite 1-0 ou 1-1. Je vois vraiment une petite défaite, soit par l'écart d'un but, soit vraiment match nul. Parce que je pense qu'on est capable de tenir le match. Et pas objectif, enfin... Ah, j'ai même pas envie d'être fantasque, tu vois, parce que j'espère vraiment qu'on va décrocher un point sur ce match, en fait. Voilà. On l'espère aussi, et on va conclure par l'homme du match. L'homme du match, c'est Paul Zer. C'est Paul aujourd'hui qui a fait une très belle prestation. Toi, Paul, quel est ton pronom objectif? Celui que tu penses qui va arriver, le score. Et quel est ton pronom non objectif, celui dont tu rêves? Ouais, bah, déjà, merci pour le titre d'homme du match. Hein. C'est le premier de la saison pour moi. Et sinon, ouais, pour mon pronostic, alors objectivement, encore une fois, je suis pessimiste, hein, mais je vais dire. Mais ouais, non, je vais dire 6-0 parce que, ouais. Wow. C'est à des galaxies de l'OM, quoi. Donc 6-0, ce serait peut-être même logique. Ouais, au pire, 6-0, officiellement, c'est pour l'OM, hein, vu qu'on joue à domicile. Il faut dire 0-6 au pire. Ouais, 0-6, si on m'a compris. Donc, ouais, avec un triplé de Bruyne, un doublé de Mahrez et aller un but de Agüero, par exemple. Et je crois que les blessés Agüero. Pour le promo. Non, il joue. Ouais, il joue en plus. Il était titulaire après. Et pour le promo pas objectif, je vais dire 1-0 avec un but en fin de match de Payet sur coup franc en pleine lucarne, ou de Thauvin avec sa spéciale en roulette du gauche, qui est dans le garde aussi à la dernière minute et le stade explose, même si c'est pas supporté. Hein. Voilà. Et un Pep Guardiola en pleurs à la fin du match. Bon, on souhaite à personne d'être malheureux, mais bon, si c'est plus être malheureux pour un match, ça peut aller au pire. Bon, ben voilà, c'est sur ces belles paroles de Paul qu'on va conclure ce podcast d'après-match. Ben écoutez, c'était un grand plaisir d'animer ce podcast. C'était un grand plaisir d'être avec vous, Alan, Dodi, Ramos, Paul. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire un don sur notre page YouTube. Ça nous aiderait beaucoup. Ou alors en achetant des produits qu'on met en vente sur Spreadshirt. Voilà, donc n'hésitez pas, ça nous aiderait beaucoup. Vous savez que vous êtes notre seule source de revenus. Et aussi, n'hésitez pas, surtout pas... faites-le volontiers même, abonnez-vous à notre compte Twitter, notre nouveau compte Twitter, en attendant que notre ancien soit rendu par Twitter, qui nous ont punis, on ne sait pas pourquoi. Abonnez-vous à notre page Instagram aussi, 21 000 abonnés. Et ben voilà, ben écoutez, ben on va conclure là-dessus. Merci Paul, merci Ramos, merci Dodi, merci Alan, et on se retrouve à la semaine prochaine.
après le match contre Manchester City. Merci ciao. À vous, bonne soirée, ciao. Bon. Ciao, les gars. Ciao, Nagatomo.